Bonsoir les amis, on philosophe sur TikTok. Abonnez-vous à la chaîne. ChatGPT, ça vous parle? Ça vous cause? Eh bien, ça devrait. Ça devrait parce que c'est une immense révolution, une révolution de l'intelligence humaine à travers une intelligence artificielle aux résultats spectaculaires. C'est gratuit, c'est en ligne. Voilà, vous tapez ChatGPT OpenAI et vous l'avez. Et vous devez vous entraîner, les amis. Vous devez vous entraîner à discuter avec ça, à voir comment vous pouvez en tirer le meilleur. Il y a beaucoup de détracteurs, plus ou moins professeurs, plus ou moins youtubeurs, qui en disent du mal. Sachez que moi, j'en dis du bien. Je trouve ça très intéressant. J'ai consacré un livre en 2021 sur une intelligence artificielle philosophique qui dépasserait dans le futur l'intelligence humaine. Eh bien, ChatGPT dépasse, disons, une compétence langagière et intellectuelle pour pas mal d'êtres humains. Hein. Donc, je m'adresse surtout aux jeunes. J'ai une coupe d'enfer. Je m'adresse surtout aux jeunes. Si vous avez, on va dire, de 12 à 20 ans, vous devez vraiment être familier avec cet outil. C'est un outil extraordinaire. Sachez que vous devez dialoguer avec lui. C'est pas je pose une question, j'ai une réponse, puisque la réponse, il va l'élaborer en dialogue avec vous. Donc, donnez-lui plein de précisions. Vous pouvez très bien copier-coller un article et lui poser des questions sur un article. Voilà, je suis dans la nuit, dans le 78. Les frérots du 7-8, force à vous et utilisez ChatGPT. Et même en philosophie, il est extrêmement doué. Alors bien sûr, il faut vérifier les résultats sur Wikipédia, parce que quoi qu'on en dise, Wikipédia reste une plateforme plus ou moins sérieuse, quand même plutôt sérieuse. Et puis vérifier sur Google ou sur des moteurs de recherche le contenu de ce qui vous avance, bien sûr, mais vous le savez bien. Hein, vous savez bien qu'il faut tout le temps vérifier les sources d'information. Mais c'est l'outil de demain et vous serez bien idiot de ne pas l'utiliser. Donc, vous allez sur Google, vous tapez ChatGPT OpenAI, vous vous loguez avec un compte Google et vous commencez à dialoguer avec cette intelligence artificielle et vous vous échangez les astuces, comment on fait et comment on fait pour en tirer le meilleur, comment on fait pour raisonner, comment on fait pour aller plus loin. L'intelligence artificielle, c'est votre futur, les amis de moins de 20 ans. Vous devez absolument être familier avec ça. Voilà, et vous devez en parler autour de vous pour vous entraîner à être à l'aise avec cet outil et vous allez apprendre beaucoup de choses que vous devez après checker, vérifier. Ça va vous ouvrir en fait la créativité. Voilà, donc ChatGPT, c'est super. Il faut vraiment que vous appreniez à le chevaucher comme on apprend à faire du cheval en chevauchant un cheval. C'est difficile au début, puis on devient un bon cavalier. Et ben, je vous souhaite d'être des bons cavaliers dans quelques mois de ChatGPT. Voilà, donc ça fait partie de la formation de base d'un gamin de moins de 20 ans. Excusez-moi pour gamin, j'ai 49 ans, je me permets. On philosophe sur TikTok, les amis. Vous vous abonnez, vous likez, et j'attends vos commentaires. Comment vous vous en servez et qu'est-ce que vous en pensez? À bientôt!